Alors les gars, ça dit quoi? Le Jaguar est dans la place. Merci de te connecter, mon frère. J'espère que tu vas bien. Quant à moi, tu peux constater que je perds de la forme, n'est-ce pas? Voilà. Alors, tu l'as compris, aujourd'hui, je vais te parler de la peur. La peur qui est ce sentiment que nous avons déjà tous, à un moment donné ou un autre de notre vie, exprimé. Peut-être c'est une émotion que nous avons déjà ressentie d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Et que malheureusement, je ne te souhaite pas. Nous allons continuer à exprimer, à ressentir, même après la diffusion de cette vidéo. Alors, la peur, cette émotion qui nous empêche de passer à l'action. En fait, cette émotion qui nous empêche de vivre notre potentiel, de vivre une vie authentique et d'être en harmonie avec nous-mêmes et de nous exprimer tel que nous le souhaitions dans la société. Il faut se dire que si le monde dans lequel nous vivons, si ces services dont nous bénéficions, c'est parce que des gens ont eu le courage de transcender la peur et de mettre en place ces services qui, au final, se sont résultés améliorer nos conditions de vie. S'ils n'avaient pas fait le pas, s'ils étaient restés dans la peur de l'échec, le monde tel que nous le vivons aujourd'hui, les services dont nous bénéficions, tels que cette plateforme d'ailleurs, nous ne les aurons pas. Parce que dites-vous que, avant de mettre en place cette plateforme, j'ai aussi été envahi de la peur de ne pas réussir. Imagine-toi les projets qui sont morts avec ceux qui sont dans les cimetières. Et te dis le regret que ces personnes peuvent avoir à l'idée qu'elles n'ont pas pu implémenter leurs projets et ambitions. Et sont allés dans la tombe avec ces projets. Je l'ai souvent dit, nous occupons un espace sur Terre. Et la contrepartie pour occuper cet espace, c'est notre contribution à l'amélioration de l'humanité. Quand par peur, tu ne mets pas en œuvre cette ambition que tu as, ce projet que tu as, tu prives l'humanité de ta compétence, mais mieux, tu te prives de l'enseignement qui résulte de la mise en œuvre d'un projet. À la vérité, je pense que on ne s'aime pas assez. On sait exprimer de l'amour envers ce qu'on aime. On sait exprimer de l'amour envers notre travail, on sait exprimer de l'amour envers nos conjoints, nos amis. Quand on aime une personne, qu'est-ce qu'on fait généralement? Quand on aime une personne, on est patient envers la personne. On accorde à l'autre de l'espace pour être lui-même. Et on se met à la disposition de la personne qu'on aime dans des moments de difficulté. On apporte notre contribution pour l'épanouissement de ce que nous aimons. Mais dès lors que ça nous concerne, c'est souvent difficile d'être aussi bienveillant envers nous-mêmes. Au contraire, on vit selon le prisme de notre entourage. On vit selon le prisme de la société. On ne nous accorde pas aussi on ne s'accorde pas autant de tolérance que nous le faisons vis-à-vis de ceux que nous aimons. Quand on veut passer à l'action, on pense a priori, on pense premièrement à l'opinion que l'entourage et la société vont avoir par rapport à notre action.
On ne veut pas décevoir notre entourage. On ne veut pas décevoir la société. On ne veut pas que notre action vienne écorner cette belle opinion, cette opinion positive que le groupe dans lequel on appartient, que l'entourage dans lequel nous sommes et que la société qui nous héberge a de nous. Et dès lors, ça nous empêche d'être authentique et d'être original dans notre approche de la vie. Pour les porteurs de projets, par exemple, pourquoi on a souvent peur d'implémenter un projet? On a peur, en fait, de l'éventualité de l'échec. Et pourquoi on ne veut pas échouer? Parce qu'on prête attention à l'opinion que notre entourage a de nous. Et combien cette opinion sera écornée avec l'échec. On se dit, oh, on dira que, donc, vous voyez, on se refait d'abord à l'opinion qu'aura l'entourage, à l'image. On imagine combien notre image sera écornée avec l'échec de ce projet. Prenons notre cas. Tu es dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle ou juste situationnelle, dans laquelle on ne te traite pas avec certains égards. Au lieu donc de t'affirmer et d'exprimer ton opinion sur la manière par laquelle tu aimerais être traité dans la relation, tu as peur de frustrer ton partenaire. Et tu as peur de ce que l'affirmation de ta personnalité, dans le cas d'espèce, va entraîner peut-être la rupture de la relation. Donc, comme je le dis, on vit selon le prisme de l'entourage, selon le prisme de la société. Il est important de vivre de façon authentique. Il est important d'être à l'aise avec soi-même, en toutes circonstances. Le mieux vous êtes authentique dans vos rapports avec les autres, mieux vous tirez bénéfice des relations avec les autres. C'est très important. L'homme, en tant qu'un être social, tient tellement à la validation de ses congénères. De sorte que cette validation et cette appréciation dont on est à la quête permanente. Parfois, nous empêche d'être authentique, nous empêche d'être original et de nous présenter aux yeux du monde dans notre plénitude. Si vous voulez porter des projets, vous devez apprendre à dominer vos peurs et à penser que chaque fois que vous posez une action, il y a toujours un côté positif qui peut ne pas provenir de la réussite de l'action, mais surtout de l'apprentissage qui vient avec chaque échec. Et chaque fois que vous êtes dans cette logique-là, vous allez passer à l'acte. Voilà comme ça, cher frère, ce que je voulais partager avec toi au sujet de la peur aujourd'hui. Dans l'espoir de te retrouver en très bonne santé la prochaine fois, avec un autre sujet et le même plaisir. C'était le Jaguar, et j'étais dans la place. À très bientôt.